riding high when I was king. I played at the heart of bonjour. Putain, la barbe de fou malade. J'ai décidé de partir au Maroc une semaine avec ma copine. Et là, c'est le dernier jour. Du coup, je me suis dit... En fait, je sais qu'en rentrant en France, je vais reprendre mon régime, tout ça, etc. Mais de manière plus intense et pour de vrai. Donc là, je me dis, dernier jour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire mon enterrement de vie de gros porc. J'ai prévu 3 gros restos aujourd'hui et ça passe la foutre. Dans les 3 restos, il y a 2 brunchs et un dîner. Ce soir, ça va archi bien se passer. Là, à Marrakech, là, il fait quoi? Il fait 30 degrés aujourd'hui. Il fait archi bon. Les gens sont gentils. L'accueil est chaleureux. Regardez ma djellaba. Je l'ai eu à 200... Oula, je l'ai eu à... Attends, je l'ai eu à combien déjà? T'es fait pigeonner. Ah ouais? Je l'ai eu à 25 euros. Ouais. Bah ouais. Bah ouais. Ouais, t'es un pigeon quoi. Elle aime pas ma taille, wesh. Direction le premier brunch, il est 8h du matin. 8h30 du matin. Du coup, let's go, je vais vous filmer ça, ça va bien se passer. On va bien manger aujourd'hui. C'est vraiment la dernière journée de gros porc. Et après, c'est l'été. On va commencer à se calmer, on va commencer à se détendre. Et voilà, là je suis monté, dites-vous les gars, je suis monté à 91 kilos. Là actuellement, au moment où je vous parle, je fais 91 kilos. À la fin de cette journée, je ferai 93 kilos. Et dans 2 mois, objectif 80 kilos. On va tout perdre. On va tout perdre, on va déglinguer les toilettes. On va jouer dans la bouffe. Allez les gars. On vient d'arriver dans le premier brunch. Franchement, la carte, c'est vraiment du respect. Après, ça a l'air tellement incroyable. Je sais pas si ça ressemble à ça en vrai. Pour moi, ça sera ça. Dites-moi si c'est ce que vous aurez pris. Il a l'air incroyable. Les gars, j'ai reçu mon jus d'orange. Monté. Mais j'attends. J'ai la dalle. C'est un peu long quand même. Un petit peu long, je trouve. Un peu long, ouais. Merci. Oh là 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 là, le respect. The respect. Qu'est-ce que c'est pour la tête? Des grosses patates là. Tu veux me passer des sauces en pizza? Tu me donnes un burger. Un burger. Comment tu vois? La diversité de l'assiette, tu vois. Un peu surcoûté, quoi. Hein? Un peu surcoûté. Celui-ci. Ah ouais? J'ai connu mieux. Tu penses qu'on a perdu combien en espérant de là? Ah là, on a perdu au moins 0,5%. Ah ouais? Ça goût, toi. En fait, t'es pas expressif, toi. C'est ça qui me tue. Ah. Moi, j'ai essayé d'être... Là j'ai tabassé le plat, maintenant je passe au dessert, on va commencer par ça, ensuite on va finir en douceur avec ça. On commence par ça les gars, la forme est incroyable. Ça se trouve ça finit même en bas. C'est bon ou pas? Mmh. Vous voulez pas? Waouh. Wow. J'en ai pas du tout dit. Bien arrivé pour bien digérer les gars, on est au bain du lotus pour une petite séance de hammam, ça va bien se passer en fait. Regardez les gars la trace qu'elle a sur le dos. Putain c'est une dinguerie les gars. Du coup maintenant direction le deuxième restaurant de la journée. Les gars regardez-moi l'endroit. Oh là là. S'il y a bien un endroit pour faire cet enterrement de vie de gros porc, c'est là en fait. Tu sais que là je vais tenir hein. Tu vas quoi? Je vais tenir. Tu vas tenir quoi? Son régime. Son régime. Ouais. Ouais.
Comment ça, oui? T'as commencé combien? Mais là, c'est le vrai régime, là. Okay. Les gars, j'ai reçu une commande de 250 euros de la part de Fitadium. C'est vraiment pour avoir encore fit. Ouais. T'imagines l'investissement qu'ils ont mis? Là, t'as plus le choix. L'investissement de zinzin. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai acheté des machines de sport, j'ai tout en fait. Tu auras un méchant six-pack là. Vraiment. Gros muscles, des gros pecs, un six-pack. Tu seras un catcheur en fait. Mais moi pareil. Hein. Ça va toi? Non. T'es que toi? Ça va s'inscrire à la salle, se réinscrire à la salle. Oh là là, le respect. Ah là, qu'est-ce qu'on est bien. C'est gros porc là. Comme ça, gros porc. Comment c'est gros pain? Franchement. Grave bon. Vous voyez les petits toasts là avec du petit bacon, des petits fromages dedans, incroyable. Chine. Il est incroyable. C'est vrai? Ouais. C'est à quoi? Strawberry. Strawberry. Oh, c'est trop stylé. Regarde quand tu... Bah tu peux pas regarder quand t'aspires. Regarde quand moi j'aspire. Ouais mais non. T'as vu la technique de ce que je fais? T'inquiète, t'es complète. Dites-vous après ça les gars, à côté il y a des glaces. Il y a un magasin de glaces. Je vais grave y aller aussi. Toi tu vas crever. Tout ça, ça rentre hein? Tout ça là, plus ce soir. Putain les toilettes. Toi tu vas aller dans les toilettes condamnées là. Je retourne jamais. Déjà de base, je retourne jamais. En vrai, tu vas vraiment y aller? C'est vrai? Vu ce que je vais lâcher, je pense que les cafards ils vont sortir direct. Ah, tu me dégoûtes. Bah, justement, tu vas bien fermer la porte. En fait, dans l'appartement, il y a deux toilettes. Il y a une toilette où on n'y va pas parce qu'il y a là les cafards. Et en plus, c'est pas des petits cafards. Les cafards du bled bien balèze. En plus, c'est pas des cafards, c'est des cafards qui tombent du ciel. Du ciel. De haut. Ils nous tombent dessus carrément. Et du coup, je vais devoir aller dans cette toilette là. Par respect, quoi. Par respect. Ouais. Tu manges tout ça, toi. Regarde ce truc de Gaumont qu'elle a commandé. Hein. Juste ça. Bah. Une petite salade, enfin une petite. Une petite merde. J'aime pas la gentille. Oh. J'aime bien le concept. Ah ouais? Ouais. Bien en coup. Bien. Non, moi je goûte pas. Tu vas pas? Non. Ça a l'air grave lourd. Bah ouais, t'as vu comment tu prends ça? C'est la même crème que ça, non? Ouais. Ouais, j'aime pas trop. Puis je crois qu'il m'en reste encore dans le fond de la gorge. Si. Pas bon? Ouais. C'est bon. Ouais, pas bon. T'aimes bien? Ah ouais. Il y a un petit délire en moi. Ah ouais? Non. Non, par contre, ça c'est bizarre, je sais pas trop ce que c'est. Parce qu'il y a marqué. Céréales. Non, ça. Il y a marqué sans lait. Mais est-ce que tu peux faire du fromage blanc sans lait? C'est un peu notre gueule en fait. Du coup, les gars, on a terminé, on a fait vraiment le maximum. Regardez-moi ce brunch. Je suis clairement KO. Et je prends pas le café parce que je sais que je vais vomir si je le prends. Là, ce gros ventre. Oh là là, mon dieu. Cette vie de gros. Cette vie de gros est enfin terminée. Il reste encore un resto dans 3 heures. Là, on va aller manger tranquillement. On va ramener des souvenirs. Ok. Et après. Des souvenirs à Mongo. Des souvenirs à Mongo. Souvenirs du Maroc à Mongo, genre. On va aller dans la Médina, là. J'ai fait deux brunch et la direction le troisième restaurant, là. Je m'en vends déjà, il est gonflé de fou. Je sais pas si je vais assumer, on verra bien. Il a bien arrivé au dernier resto. Incroyable. Le rooftop est magnifique, regarde. Voilà. Coucher de soleil, tout se passe bien. Et là, la carte veut me tuer en fait. Entrée, plat, dessert, ça va être dur.
C'est terminé. Fin de ma journée d'enterrement de vie de gros porc. Regardez-moi ça. Oh là là, je fais 92 kilos. Je suis vraiment le gros porc du Maroc. Mais là, je vais rentrer demain et ça va bien se passer. Il faudra me suivre sur Snap. Tous les jours, il y aura du sport dans mes stories. Ça va bien se passer. Et maintenant, il faut monter dans le train. Riding high, when I was king, I played at the heart of the